look at this, there's something there. And you can also say, look at that. I said, this is the day. Christmas is a day. Stay with the world. And you have to be able to do that. Qu'on peut redouter que le pétrole voit ses cours fléchir. Le pétrole peut voir ses cours fléchir, effectivement, mais le gaz naturel est quand même dans une dynamique propre qui est supérieure en termes de volume à celle du
nouveau marché potentiel de croissance pour le GTT, qui est celui des bateaux ordinaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des bateaux dans le monde fonctionnent avec un fioul qui est tellement lourd, tellement stable, qu'on l'appelle le booker. En fait, le fond de fioul absolument immonde, qui est extrêmement polluant, et qui, pour l'instant, n'est pas réglementé. Seuls quelques zones autour des États-Unis ou dans la Manche exigent d'avoir un carburant plus sûr, et la base coûte deux fois plus cher. Et en fait, le système de l'Europe qui va se mettre en place en 2020, qui va en fait affecter au niveau mondial, le carburant avec le de soufre. Donc, pour les acteurs de la production, soit ils continueront à utiliser, mais ils pourront de très hautes taxes, ils seront interdits de ces eaux dans certaines zones, soit ils seront encore en bateau électrique, c'est compliqué, soit, en tout cas pour les nouveaux bateaux, les nouveaux bateaux pourront fonctionner. Comme en Italie, avec un plus petit réservoir de gaz naturel liquide, c'est le cas notamment des armateurs conteneurs de CGS et GM, qui ont été commandés avec des réservoirs d'un véhicule de gaz naturel, qui sont des véhicules qui